Quand j'ai commencé à faire de la rathlétisation, j'ai cherché donc de la documentation pour pouvoir m'aider, notamment comment est-ce qu'on s'y prend, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on fait au départ et par la suite, et je me suis rendu compte qu'on ne trouvait rien. Il n'y avait rien dans la littérature, rien non plus en bibliographie, pas vraiment d'études scientifiques sur le domaine. Et le souci, c'est que j'ai repéré qu'il y avait quand même pas mal de choses dans le domaine médical, aussi curieux que ça puisse paraître. Donc on trouve plein de choses d'un point de vue chirurgie, d'un point de vue rééducation. On trouve des vidéos, des articles, des protocoles, des démarches. Et là, en rathlétisation, on trouve rien. Donc je me suis retrouvé démuni et je pense que je n'ai pas été le seul dans ce secteur-là. Et c'est pour cela que j'ai voulu écrire un livre pour pallier à ce déficit-là. Le livre ayant une partie pratique importante, avec des séances d'entraînement qui sont décrites et accessibles, il est donc une aide aussi bien pour l'entraîneur que pour le sportif qui est blessé et qui veut peut-être une prise en charge personnelle. Par contre, comme je l'ai signalé plusieurs fois dans le livre, il faut faire attention, ce livre est un guide, ce n'est pas quelque chose à prendre au pied à la lettre du début jusqu'à la fin, c'est un guide, c'est une aide, donc il est à adapter à la personne, à l'opération chirurgicale, à la rééducation que le sportif a subie, à son mode de vie et au sport qu'il a pratiqué. La plupart de mes contrats, les trois quarts de mes contrats étaient sur le genou. Par conséquent, c'est là que j'ai le plus de compétences et j'ai voulu les mettre au service de ce livre, tout simplement. Non, j'ai pas eu de peur ni de doute, parce que quand on affirme des choses dans un livre ou dans un article quelque part, c'est qu'on a des certitudes. Des certitudes parce qu'on a de l'expérience ou qu'on a prouvé des choses. Et donc, non, je n'ai pas eu des doutes sur l'écriture du livre au niveau du contenu. Fortrainer a peut-être plus de doutes sur la réussite du livre. Visiblement, non, mais on ne peut jamais être sûr de la réussite des ventes d'un livre. Donc, les doutes, pour ma part, sont plutôt là-dessus. Est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il va plaire? Est-ce qu'il va pas forcément faire consensus, mais est-ce qu'il va être apprécié de la profession, voire même au-delà de la profession? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Alors, ce livre-là, en fait, c'est les trois à la fois, tout simplement parce que j'ai voulu écrire un livre qui est un guide sur la rathlétisation, avec un contenu méthodologique important qui permet, et donc théorique, qui permet d'apporter une trame, d'apporter un protocole, une démarche à suivre, chose qui n'existait pas. Et ensuite, j'ai voulu appliquer cette méthodologie à un cas pratique sur le genou. Donc, c'est dans la ligne éditoriale en fait, de Fortrainer d'avoir des livres qui allient aussi bien la théorie que la pratique. Et cette partie pratique, elle est importante puisqu'il y a plusieurs dizaines de séances de préparation physique à l'intérieur. Séances de préparation physique que j'ai voulu accessibles au plus grand monde sans du matériel pointu. Alors le livre s'adresse à un public large, même s'il est ciblé, c'est quand même large. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux sportifs curieux, déjà d'une part, aux sportifs qui reviennent de blessures. Il s'adresse aux kinés, aux médecins du sport, aux posturologues, aux podologues, et puis bien entendu aux préparateurs physiques, à l'entraîneur, pour leur apporter suffisamment matière dans la rathlétisation, aussi bien de manière théorique que de manière pratique. Mais les termes qui sont employés dans le livre sont accessibles à tous. Le dialecte qui est à l'intérieur est accessible, même si c'est un livre qui est technique, qui peut s'appliquer sur le terrain. Il n'empêche que ça reste un livre qui se lit sans avoir des compétences particulières dans l'entraînement. Euh,
Alors, ce livre, il est nouveau parce que de toute façon, il n'y a pratiquement pas de livre sur la réathlétisation. C'est le premier qui va sortir sur le genou, d'une part, et puis c'est également une première puisqu'il y a un aspect pratique à l'intérieur. Donc, au niveau des ouvrages francophones sur la réathlétisation du genou, ben, ça sera une grande première. Donc, forcément, on apporte des nouveautés et surtout, il va permettre d'aider et d'apporter un soutien à l'entraîneur qui se retrouve face à un sportif qui a été blessé. Ce soutien théorique et surtout technique n'existait pas puisqu'on ne trouve rien dans la littérature ou pratiquement rien. Et voilà pourquoi ce livre-là est nouveau, parce qu'il permet d'aplanir tout ce qui est en rapport avec la réathlétisation et il apporte en plus de ça un support pratique avec des séances détaillées que l'on peut utiliser, même si elles doivent être adaptées forcément, tout ça en rapport avec la blessure avec les blessures du genou. Alors tout l'aspect méthodologique et théorique s'applique à d'autres blessures, puisque la démarche est pratiquement à employer de la même façon, aussi bien au niveau des tests que vous trouverez dans le livre, puisqu'il y a des tests décrits avec une démarche à utiliser. Donc tout ça s'applique à la plupart des blessures, avec des petites choses à adapter forcément. Par contre, les séances de préparation physique qui sont dans le livre sont spécifiques à la rupture du ligament croisé antérieur. Donc là, ça va être compliqué de pouvoir les adapter à un autre traumatisme. Alors en bêta lecture, en relecture, en correction, oui, j'ai eu un kiné qui a relu mon livre, donc il a apporté ses guides médicales pour pouvoir le corriger, pour savoir si j'étais dans le vrai, pour apporter également des précisions, que ce soit au niveau des opérations chirurgicales, que ce soit des temps de rééducation et du contenu de rééducation qu'il y a dans le livre, il a permis de corriger tout ça et d'affiner. Par contre, sur l'écriture en elle-même du livre, aussi bien au niveau du fond que de la forme, non, le livre, je l'ai fait tout seul, tout simplement. Par contre, je suis régulièrement en contact avec des kinés et c'est à leur contact que j'ai progressé dans le domaine, on va dire, médical, dans le domaine de la rééducation et c'est ce qui m'a permis, en collaboration indirecte, on va dire ça comme ça, avec des kinés, de pouvoir faire ce livre. Donc sur le livre en lui-même, est-ce que j'ai collaboré avec un kiné? Non, mais indirectement, oui, je les en remercie puisque j'ai pu progresser et j'ai pu apprendre des choses dans un secteur qui n'est pas du secteur sportif, qui est du secteur, on va dire, médical. Pour tout vous dire, oui, il est prévu d'en avoir deux autres qui seront beaucoup plus pratiques, eux, et exclusivement pratiques, puisque la théorie a été posée dans ce premier livre-là, la méthodologie a été expliquée, donc on ne va pas la remettre dans les prochains livres, mais il est prévu d'en faire deux autres sur différents traumatismes. J'en dis pas plus, mais il est vrai que j'ai commencé depuis quelques semaines à écrire le prochain. J'ai pas mal de livres de Fortrainer, j'étais assez fan déjà de leur maison d'édition et de leur ligne éditoriale. Et j'avais hésité à appeler notamment les éditions Amphora et la façon dont les livres sont tenus me plaisait moins. Et en plus de ça, je voulais pas que le livre tombe forcément dans le domaine du grand public, puisque le livre ne va pas forcément intéresser le grand public. Donc je voulais faire un livre pour des spécialistes sur la réathlétisation, et c'est pour cela que, en mon sens, Fortrainer était plus à même de répondre à ce souhait-là.